m'appelle Christophe Simon, ça fait 25 ans que je fais la bande dessinée. J'ai commencé avec de la BD très classique en travaillant dans l'univers de Jacques Martin avec Alix Lefranc, etc. Puis j'ai pris la décision de voler mes propres ailes et je suis arrivé au Lombard, d'abord avec une série historique qui s'appelait Sparte, ensuite avec un hommage à Paul Cuvelier en faisant un tome de Corentin, et c'est là que j'ai rencontré Jean Van Hamme. Jean Van Hamme qui avait écrit une nouvelle de Corentin et il m'a laissé adapter cette nouvelle. Mais voilà, la rencontre était faite et donc pendant que je réalisais ce fameux Corentin, je reçois un appel de Jean Van Hamme qui me demande si je serais d'accord de faire un album avec lui qui traite de la situation actuelle au Kivu, qui est dramatique, et du docteur Mukwege qui vient d'être prix Nobel de la paix. J'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme, d'abord parce que je connaissais le combat du docteur Mukwege, notamment à travers le film qui avait été réalisé sur lui par Thierry Michel et Colette Brachmann, L'homme qui répare les femmes, et aussi parce que travailler avec Jean Van Hamme était une superbe expérience. Donc jusqu'à présent, finalement, j'avais essentiellement fait illustré des récits d'aventure et en plus des reprises, parce que finalement, que ce soit Alix ou Corentin, donc ce sont des séries qui font partie du patrimoine et où finalement, graphiquement, je me mettais dans les traces d'un autre dessinateur. Ici, avec Kivu, il y a eu deux challenges. Le premier, c'était passer d'un récit d'aventure, un récit beaucoup plus dramatique. Et en plus, le fait de m'être rendu sur place et d'avoir été traumatisé par tout ce que j'ai vu à Panzi. Ces gamines, ces filles violées, je les ai vues, quoi. J'ai croisé leur regard. Ces enfants abandonnés, tout ça, le bruit des balles, je l'ai entendu. Et donc, il y avait... Il y avait cette envie de témoigner du traumatisme vécu là-bas, et un traumatisme où on s'en veut un peu d'être traumatisé, parce que finalement, nous, on est là, on est protégés par les casques bleus, donc on n'est pas vraiment en première ligne, et en plus, ça dure 8 jours. Donc il y avait cette envie de témoigner de ça, et j'y ai pris goût, puisque la série que je commence maintenant sera aussi assez géopolitique, parce que voilà, il y a... Le fait de voir à travers la bande dessinée, on pouvait faire quelque chose d'utile, ça m'a beaucoup plu. Et graphiquement, avec Kivu, ce n'est pas une reprise. Je ne dois pas ressembler à Cuvelier, je ne dois pas ressembler à Jacques Martin. Donc c'est du Simon. La difficulté, c'est qu'il faut rester quand même un minimum pudique pour que ce soit soutenable et puis ne pas tomber dans une complaisance malsaine. Et en même temps, il faut arriver à faire quand même passer... le malaise par certains moments, par exemple la scène du viol au début, qu'on ne peut pas montrer de façon frontale, et en même temps on ne peut pas trop l'édulcorer non plus, sinon il faut savoir prendre le lecteur aux tripes, savoir le mettre mal à l'aise aussi, et donc c'est trouver le juste équilibre. Ça c'était une difficulté dans cet album. Le scénario, il y avait une première mouture qui avait été faite avant que je n'aille sur place et qui était basée sur... des témoignages que Jean Van Hamme avait récupérés de Guy Bernard Cadière, du docteur Mukwege, de Colette Brachmann, qui est la spécialiste belge de l'Afrique centrale et du Congo en particulier. Et donc moi je suis parti avec le scénario et comme ça moi je savais aussi pour ma documentation ce vers quoi, parce que il y a toute une iconographie. Enfin, par exemple, si je représente tel endroit de l'hôpital, là je travaillais d'après photo. Enfin, je prenais des photos et puis après j'avais le document. Et donc pour tout ce qui est technique, il fallait que je sache où j'aille. Et puis après, le scénario était remodifié puisqu'on s'est vu avec Jean. Et donc, en fonction de ce que j'avais vu là-bas, etc., il y a eu des ajustements, il y a eu des modifications qui ont été apportées pour coller au plus près de la réalité. Parce qu'il y a, il y a deux façons de se documenter. Il y a la documentation vraiment topographique, on va dire, et quel type de voiture on croise dans les rues, ce genre de trucs.
Et puis il y a aussi tout ce qu'on va ressentir sur place, où là, voilà, il faut être sur place, on revient avec plein d'images dans la tête, plein d'émotions, et puis après il faut les ressortir sur le papier. C'est sans doute une de celles qui colle le plus à la réalité que j'ai vécue là-bas, puisqu'il y a à la fois Guibert, le docteur Mukwege, et puis ses femmes autour, et puis que c'était la première image, c'est un endroit où je n'arrêtais pas de passer pour aller d'un endroit à un autre, où je croisais ces femmes qui venaient à la consultation, qui s'étaient reconstruites, et on avait toujours un mot l'un pour l'autre, parce que c'est des gens d'une gentillesse extrême et d'un courage extrême. Et donc voilà, c'est une page qui me touche beaucoup parce qu'elle est au plus près de la réalité de Panzi quand ça se passe bien, quand on arrive à sauver des femmes, par exemple. L'avant-dernière image, la jeune maman toute fière de présenter son bébé à Guy Bernard Cadière. Et au-dessus, bien sûr, Denis Mukwege et toutes ces femmes qui sont là pour qui c'est un sauveur, quoi.